Tu veux m'aider, Lydia? Tu veux être mon sous-chef? Aubergine! Sylvie. Maman! Allô? Salut, mon beau, c'est moi. Comment tu vas? Maman! Excuse-moi de ne pas t'avoir appelé, mais ici, on fait encore la fête. Vous êtes encore en train de dîner? On a remporté l'appel d'offre! Dis-moi pas que t'es encore fâchée pour ça, là. Bon, de toute façon, je suis tellement contente que je vais inviter des gens à venir souper chez nous. Tu veux les amener ici pour souper? Non! C'est juste Esther, puis tes amis du bureau. Esther? Non, certainement pas. Certainement pas. Je crois que ça va bien. Écoute, il faut que je travaille. On se voit dans quelques minutes. Bye! Allô? Sylvie? Merde! Ned! C'est... Allô, ma chouette? Où t'as trouvé ça? Un client. Il a travaillé sur son bateau toute la nuit. Est-ce que ma sœur est là? Ouais, elle est en route. Avec du monde. Ça fait la fête. Ah, vous avez décroché le contrat? Ouais. L'immeuble auquel tu t'opposais? C'est inapproprié. Ouais, OK. Y a de la place pour souper? Toujours. Excellent. Tu fumes pas ça en dedans, tu te souviens? Ouais, désolé. Sur la terrasse. Je fais ça. Allez, dehors, excuse. Ça sent très bon. Yeah! Écoute, je t'avais parlé déjà de Caroline. Mm. J'espère qu'on ne dérange pas, surtout. Pas du tout. Ah, ça a l'air que c'est la boîte de Sylvie qui va construire la banque. Est-ce que ça va parler ce soir? Oh. Ouais, ben... Ces deux-là, on dirait des Amants siciliens. Oh. Des Siciliens, t'es lourd. Bon, écoutez, il faut que vous restiez à souper. Non. Ouais. Non. T'es sûr que c'est... Ouais, c'est... aucun problème. Mais rentre dans utile. Va chercher du vin au sous-sol. Il y a une caisse de Côte du Rhône, presque pleine, et sous l'escalier. Compris. Je peux faire quelque chose? Tu pourrais mettre la table? Pour combien de personnes? 10, je suppose. 10. T'as dit qu'il y aurait... Oui, juste quelques-uns. Oui, trois, quatre. Oui, écoute, ça se peut qu'on en ait ramassé un ou deux en chemin. Deux ou oui. Trois? 13. Puis c'est qui les musiciens? Un tuba? Là, tu serais un peu, je trouve. OK. On boit quoi? Jeff apporte du vin. Ah. Dis donc, tu connais pas ça, les pressailles? Ben, parce que l'ail pressé, ça a un goût fort et âcre. Oh, moi, je m'en sers tout le temps. Je suis sûr que oui. J'espère que t'as pas mis du sang sur la bouffe. Ah, Esther, écoute, surveille les croutons puis remue le poêlon. Sinon, ils vont brûler. Hein. Ah. Oh non. C'est. Il y a quelqu'un. Ah, salut. Salut. Dis donc, est-ce que Caroline, c'est la tante de Jeff ou quoi? Ça a l'air que c'est sa nouvelle blonde. ouais, elle a l'air un peu, tu sais, genre... Ah, ben... Le sexe, coudon. Es-tu correct? J'ai... Ah! Non! Esther! Oh. Esther! Ouvrez la porte! On va laisser sortir la fumée! Il y a un oiseau dans mes airs!
Un balai! Un oiseau dans la maison, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin d'un peu plus d'espace dans la cuisine. Juste une minute. OK, mon chou. Merci. Ça va? C'est quoi ça? Ben, côte de bone, t'as dit? J'ai dit du rhône. Ah. Ah, ça dit juste bone. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Caroline? Elle a l'air... Vieille? T'as trop vieille? Non, j'ai jamais dit, non, j'ai... Parce que, il faut que je te dise que, quoi, l'aspect physique, là, c'est... Ouais, ben c'est parfait, j'ai pas besoin... Sexuellement, là, c'est juste... Oui, non, non, on se garde une petite gêne. Petite gêne, petite gêne. OK, OK, ça va. Gour! Je sors en fumée une en douce. OK. Dis-le pas à Caroline. OK. Salut. Désolée pour tout ça, c'est fou. Merci. Ah, c'est correct. Ça sent tellement bon. Est-ce que t'es prêt? Mmh. OK, c'est servi! OK, c'est servi, hein? OK, un toast? Un toast! Oh, non! Non! Est-ce que ça va être long? Oui, oui, très long. Aux nouveaux amis et aux vieux... Fais attention, Jeff! Ah, aux joies conjugales... Ben voyons, où est-ce qu'il va? Une vie nouvelle et une vie bordélique et au beau moment de la vie... Et... Bonjour tout le monde! On va fermer le clapet! C'est parti tout le monde!